تحسس بعواقب مقاومة الجسم لمضادات الميكروبات إشكالية توقف عندها مهني قطاع الصحة خلال يوم دراسي حول الاستعمال غير المناسب لمضادات الميكروبات واستهلاكها بشكل عشوائي، ما بات يشكل خطراً على الصحة العمومية في الجزائر. Urgent, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des bactéries qui sont résistantes à tous les antibiotiques et qui dit bactéries dit infection. Et ces infections, aujourd'hui, on ne peut plus les traiter comme on les traitait avant. Pourquoi ? Parce que ces bactéries sont devenues résistantes à tous les antibiotiques, ce qui fait qu'il ne reste plus aucune alternative. Et voilà, donc cela aboutit à quoi ? À un échec thérapeutique et parfois au décès du patient. La situation est grave, il faut le dire. مجابهة الآثار السلبية لمضادات الميكروبات توجه تسير نحوه الجزائر من خلال إعدادها لمخطط عمل وطني يتماشى والتوجه العالمي لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. Le but, si vous voulez, pour la lutte contre la résistance antimicrobienne, c'est surtout sensibiliser le grand public et le personnel de santé sur le bon usage des antimicrobiens. C'est la lutte contre l'automédication et ça, c'est sensibiliser le public. Le grand public pour le changement du comportement, de ne pas utiliser l'automédication, de respecter les médicaments, les antibiotiques ou les médicaments qui sont prescrits par le médecin. Donc, il respecte aussi bien la dose que la durée du traitement. وتبقى عقلانة استعمال مضادات الميكروبات حسب المختصين كفيلة بزيادة فاعلية الوقاية من الميكروبات وحالات العدوى التي تتزايد باستمرار.